Mais attends, mais tu m'as dit dans quelle ville là, Aspaz? Mais c'est quelle ville ça? On est où là? Mais on est dans Paris City! Mais c'est quoi Paris City? Wow. Mais c'est Paris! Tu connais pas? Mais c'est qui a fait ça? C'est qui a buildé tout ça là? C'est un builder pro, je le connais, regarde, il est juste là normalement. Mais comment ça un builder? Ouais, oh, t'es qui toi? C'est moi le builder pro complètement malade, c'est moi qui ai construit tout ça. Mais tu le connais? Mais oui, il m'a dit qu'il a construit toute la ville à lui tout seul. Oh mais c'est avec incroyable une main. Avec une main. Jamel Debbouze, ouais. C'est toi? C'est moi. Oh, c'est une star. Attends, j'ai toujours voulu confronter un builder pro. Est-ce que t'es chaud de me suivre? Vas-y. Allez, mon gars, est-ce que tu veux faire un battle de build? Non. Il sait qu'on va le battre. Eh oui, il a peur. Ok, j'accepte. Oh. Bah tu sais quoi mon gars? Moi et Aspaz on se prépare et on va te casser la gueule. Non, pas moi. Tu ne payes pas pour attendre. C'est ça le problème des mecs qui ont des aims de merde, hein. Tu refais ça, je te casse la gueule. Bon, ok, attends. Logiquement, le rendez-vous que j'ai donné au Builder Pro, il va être là. Est-ce qu'il est là? Oh salut. Ça va ou quoi? Ouais, les gars, je suis un builder. Attends, mais Linette, c'est ça ton builder? Mais on l'a vu tout à l'heure. T'as la mémoire courte. Bah ouais, mais il a l'air nul. Mais quoi? Mais t'as pas vu la maison qu'il a fait tout à l'heure? Mais c'est pas le même mec. Si, c'est moi. Il est passé où le vrai? Hein? Mais je vous le dis que c'est moi. Bah, tu sais quoi, viens, fais un truc, mon gars. J'ai actuellement rajouté un mode qui rajoute des trucs ultra réalistes à mon Minecraft. Donc viens, fais un truc. Celui qui fait là. Oh là là! Oh oui! Eh, je m'y connais, c'est un frigo. Pas mal! Mais d'où il sort de son chapeau. On dirait Astérix au pays des Gaulois. Il sort ça comme un bouclier. Celui qui fait la meilleure maison, il gagne le respect de tous. Ok. Ah oui, c'est nul à chier comme un jeu. Bah tu sais quoi, il gagne 200 balles. Ok. Et ça c'est pas ce qu'il paye hein. Allez. Le respect de tous du coup, oui. 200 oui, balles, le allez ciao les mecs. Bon Aspaz, est-ce que t'as une technique pour battre ce builder pro et que je économise 200 balles? Tricher. Oh pas mal. Comme vous pouvez le voir les mecs, j'ai ajouté un petit mode de construction, regarde-moi ça. Potrone sofa. Pas mal. Artisan de la qualité. Bon, est-ce que t'as une technique de... Oh, attends. Oh, l'entrée. Mais on s'en fout. On utilise les modes réalistes pour faire une entrée. Et là, on met des tapis sur les côtés. Mais tu sais qu'en plus, c'est mon rêve d'arriver dans une maison avec que des fauteuils où je pourrais sauter dedans. On n'a pas tous le même rêve, hein, franchement. C'est mon rêve. Hein. Oui, bah c'est pas le mien. Regarde, on peut carrément mettre ça. Regarde, c'est des pylônes. Mais c'est des frigos. Mais c'est pas grave, on a un mode réaliste. On peut utiliser tout pour tout. Imagine, le Builder Pro se rend compte. Il va nous dire qu'on est des abrutis d'avoir mis des frigos à l'entrée. On va voir ce qu'il fait le Builder Pro. Mais on a forcément gagné. On a pris la main dans le sac. Mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? J'ai une idée, ils vont pas m'avoir comme ça moi. Ils m'ont pris pour des idiots, je suis un builder pro. On l'a vu, il avait l'air en train de galérer. Il avait l'air un peu bébête hein. Mais en vrai de vrai, t'en penses quoi du début? Bah en vrai c'est une bonne entrée, après je vois pas où ça va nous mener. Si, parce que regarde-moi ça mon gars. Si directement on commence à mettre des feuilles ici, ça fait une vraie entrée. Elles sont magnifiques les feuilles, what? Et c'est réaliste mon gars. Ah ouais. Est-ce qu'on peut mettre des tapis par-dessus? Bah évidemment. Mais c'est tout sauf réaliste. C'est vrai. Mais franchement là je te jure que le début de l'entrée est pas mal. Je vais carrément mettre plein de tapis pour l'entrée comme ça, hop hop hop. On met une télé dehors. Mais pourquoi? Bah comme ça pour avoir des films en famille pendant la nuit. Ok mon gars, je sais quoi faire. On va pas la mettre ici, on va la mettre exactement ici. Tu vois les genres de parking en amoureux là, où les gens ils regardent un film dans leur voiture. Ah mais oui. Oui évidemment. Bon, comme dans les films. Oui bon, le problème c'est que la télé est bon. Ouais magnifique, magnifique. Regarde. Comment faudrait qu'elle puisse marcher? En plus elle vole. Mais what? Ça c'est de la télé quand même. Ah oui. Et je pense qu'on va devoir prendre des blocs de Minecraft un peu plus basiques. Regarde-moi ça, t'en penses quoi? Bof hein. Mais tu sais que c'est un bloc Minecraft, on dirait que c'est un bloc réaliste de base. Ah, c'est un peu le but du mode hein. Ah mais oui, mais je suis bête, juste que ça rajoutait juste des trucs. Mais regarde-moi ça. S'ils veulent regarder la télé, ils peuvent mettre sur des tabourets. Bon, je suis pas sûr que les tabourets soient très conviviales. C'est sur ça, le truc il est cassé, en plus je fais 400 kilos toi. T'es vraiment une merde hein. Ah tu sais quoi, on fait un autre truc. On fait ça, hop là, là c'est mieux. Ah, là oui, là oui. Là oui. Ah bah non, franchement ça fait ouais, le top. Pas mal hein. Regarde là, tu peux regarder les Marseillais à Mykonos. Ou alors ouais. On regardera la grande Rasra. Mais oui, avec Baba. Oui, que de la Darka. Bon, le problème c'est qu'il faut avancer la maison. Parce que là actuellement, comme tu peux le voir, c'est catastrophique mon gars hein. Y a pas grand chose hein. J'ai l'impression qu'on a la même maison que le Builder Pro là. Allons voir. C'est quoi, viens ce monde invisible et on va voir. Ah ouais mais on est des gros tricheurs. Oh qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est un Builder Pro de toute façon. Invisible toi, tiens prends ça. Allez on y va. Allez viens. Oh oui. Stop carrément. Oh il avait prévu la triche. Il y a marqué quoi? Il est pas mauvais, cassez-vous! Oh la fille, dépêche-toi! Oh là là, dépêche! Range! Pourquoi t'as pris les dans ta main? Oh non! Oh non! Oh non, pourquoi t'as fait ça? Oh non, il a cramé! Oh non. C'est pas grave, je bois un sommet! Autour de fait comme si de rien n'était! Bah évidemment! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là! Ils vont vraiment pas me lâcher la grappe, hein! Par contre, Aspaz, quand t'es un invisible, il faut pas prendre des blocs dans la main! Linette, je crois qu'il m'a vu après, hein! Je vais pas te mentir que c'était un désastre, hein! Ah bah, regarde-moi ça! Il a vu exactement ça! Oh non! C'est l'air horrible! On va tenter de faire la symétrie, même si bon, je sais pas trop faire ça, moi! On va dire que c'est symétrique là, non? Bah viens, on commence les murs! Il faut qu'on trouve des meilleurs blocs! Non, mais non, c'est moche!
moche. C'est la maison des trois petits cochons. Vas-y, va. Oui, on fait ça, on fait la maison des trois petits cochons. Je me rappelle plus trop c'est quoi, mais. Okay. Bah, en gros, l'étage de tout en bas, il est nul. Ouais. Genre, il est dans un bloc qui va brûler. Ah oui. Et plus ça avance, mieux c'est. Oui. Bah, franchement, pas mal. Tu sais que je suis conquis. Merci. Tu penses qu'il fait quoi actuellement, le Builder Pro? Il est en train de préparer des nouvelles protections pour pas qu'on triche. Bon, on ira voir ça plus tard. Tu les mets même pas dans le bon sens, les blocs. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais nul en construction? Bah, pour le coup, jamais. Moi non plus. Il faut faire un truc de symétrique là, qu'est-ce que tu me fais là? Oh là là, c'est catastrophique, hein, franchement. Au pire, qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit pas symétrique, bordel. C'est bon, c'est bon. C'est pas nous les builders pro. Voilà, et maintenant tu remplaces avec ce bois là. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris, la maison d'en hauteur doit être en bedrock ou en obsidienne. Oui, voilà, exactement. Oh, ça crée un petit relief, mais c'est trop stylé. Merci, merci, merci. Bah après, Lainé, je crois que t'oublies vite que moi aussi, hein. Pourquoi tu t'attribues tous les mérites? Y'a pas que toi qui a construit. J'ai posé actuellement 85 blocs, t'en as posé 12. Et comment tu sais ça? Tu me fais une petite derka là. Que pour la blague. Bon, par contre, la maison elle est open bar là. Bah, c'est pour ça, mon gars, qu'on va rajouter des dors. Des dors en acacia, t'en penses quoi? Ah, bah là, ça reste open bar. Oh, c'est bien comme ça. Tu vois, c'est le côté convivial. Pas mal en vrai, non? Waouh, c'est stylé. Regarde, là, t'arrives, là, la grande rasera, bam. Là, t'arrives, boum, la maison petite derka. Oh là là, c'est la maison, la petite derka. Les trois petites derka comme les trois petits cochons. Pas mal. Bien trouvé. Bon, attends, je vais regarder ce qui fait le Builder Pro en un bloc cassé. Oh, ça a l'air pas mal. Franchement. On voit rien. Oh, putain, il a un radar. Il a un GPS. Ah, mais c'est pas possible. Ils pensent que je les vois pas, ces idiots là. Mais ils sont deux pour build, ça se fait pas. C'est un avantage de fou. Comment il a fait? Ah, bah on est d'accord qu'il a un GPS. Mais c'est pas possible, est-ce que tu ça me rend observe. Oh, y'a un monde. Eh, tu sais quoi là, je suis en train de reboucher le petit toit là. Hop là. Et voilà, boum, c'est fini, regarde-moi ça. Mais bien joué. C'est une piste de danse, regarde-moi ça. Et maintenant, tu vois, bon. C'est bien cool ça, mais maintenant, il manque quoi à ce Spaz? Des escaliers pour nous mener au deuxième étage. Il faut des escaliers pas solides. Et pourquoi? Parce qu'on est au premier étage de la maison. Bah oui, c'était juste pour voir si tu suivais. Oh, le menteur, ça c'est ce que tous les profs disent. Bah regarde, là c'est le deuxième contour. Oh. Ça nous prouve qu'en restant au premier étage, on va droit dans le mur. Pas mal, hein. On est dans le petit chapeau rouge, là, il y a des morales dans l'histoire. Eh bah oui. C'est pas pour rien qu'on a pris les trois petits cochons. Nous, c'est une maison éducative. Franchement, si vous rentrez dans la maison et que vous sortez con, c'est que franchement, vous partez de très très loin. Je pense qu'on est d'utilité publique. On devrait montrer nos vidéos à l'école. Bah franchement, déjà, ils écouteraient beaucoup plus à l'école. Mais bon, pour ce qui deviendrait meilleur, je pense pas. Non, mais au moins, il fait des petites darkas collectives. Oula, je vois le pseudo du builder là-bas. Mais je pense pas qu'il nous observe. Il faut que je vois s'il nous observe. Ok, ça va. Non, c'est bon, il est en pleine maison, là, il est en train de construire la bâtisse. Je vais m'approcher en vrai. J'y vais en courant, je m'en fous. Non. Je suis un gilet jaune, bougez plus. Oh, il m'a pas vu. Bon, bah nickel. Non, il m'a pas vu. Je suis sûr qu'il m'a pas vu. Bon, j'ai rien vu, je comprends pas. Là, le problème, c'est que si on rentre, on chie où? Eh ben, on chie ici, regarde. Ah ouais, mais devant tout le monde, mais c'est dégueu. Mais c'est notre maison. Ouais, mais quand même, hein. Bon, moi, j'ai pas envie de te voir chier. Oh, bah, les trois petits cochons, trois douches. Ah ouais, mais côte à côte. Bah, ils sont ensemble. Et de l'autre côté, on met les vrais toilettes. Bam. C'est vraiment bizarre, l'idée. Je pense pas que c'est une bonne idée. Comme ça, ils font des battles de regard. Hein. Par contre, en vrai de vrai, le builder, il a pas l'air très expérimenté. Hein. Bah, franchement, ça va. Hein. Moi, j'ai vu de son côté, ça va être une maison moderne. J'ai déjà vu ça dans des vidéos d'Oximos. C'était du même niveau. Si la maison, elle brûle, aucun problème, il y aura un accès pour les pompiers. Ça c'était plutôt malin parce que, à mon avis, quand la maison du bas elle va brûler, on aura plus que ça, hein, sous la main. Évidemment. En tout cas, je l'ai pas vu tricher une fois, le builder. Ça a l'air d'être un mec cool. Non, non, franchement, c'est quelqu'un de respectable. Moi, je lui fais confiance. Après, bon, on est jamais à l'abri de nos surprises. Oh là là, c'est quoi ces blocs-là, là? Bah, en gros, je sais que c'est des blocs waterproof. Pas mal. Donc, tu vois, l'eau, elle peut rentrer entre eux. Du coup, c'est pratique. Bah, c'est faux. Ah, bon, alors. La net, c'est de l'eau Minecraft, ça. C'est vrai, on est pas dans la vraie vie, là. Bon. Faut arrêter de croire que je dis que des vérités. Du coup, le haut, on le fait en quel bloc? Alors là, il nous faut un bloc bien résistant. Bah, je pense que j'ai trouvé ce qu'il te faut. Mais tu penses pas qu'il manque un peu de lumière. Je pense qu'il faut qu'on mette des windows. Ah bah là, c'est sûr qu'à mon avis, il risque d'avoir d'avoir froid aux yeux. Oh oui, franchement, clairement. Bah il va y avoir un problème thermique là, dans la maison. Bah ça crée un choc thermique quand c'est pas grave, on mettra des panneaux solaires. T'as rien compris là. Non, mais laisse. Tu peux le dire tout de suite. Parce que nous, tu vois, on arrive toujours à lier le côté magnifique à l'agréable. Bah en parlant d'agréable, je te propose que ça soit la salle des jeux. J'allais dire pareil. Et quoi de mieux qu'un bureau en terre avec son PC ultra gamer. Mais c'est le PC d'Inoxtag là. Pourquoi y a un fond d'herbe. Et on va faire une dédicace à MyBios, la chaise gamer que Fuse lui a offert. Tu vois, ça c'est du câble management. En vrai, le câble management il est parfait. Hein. Bah, tant qu'on voit pas les câbles, c'est que c'est géré. Hein. Je te jure que là, il y a Stéphane Plaza qui me fait visiter un appartement et je vois ça en hauteur, mais j'achète l'appart. Hein. Les fenêtres, c'est des fenêtres de prison là, tu veux pas qu'on s'échappe? Si, parce que pour s'échapper, c'est en haut, il y aura un hélicoptère. Oh oui! T'en penses quoi de mettre un hélicoptère en hauteur? Oh l'idée! Moi je pense que je vais aller un peu casser la maison du builder. C'est quoi, ça se passe, on fait un truc. Moi, je vais aller voir ce qui fait le builder. Quand je reviens, je veux qu'il y ait des news. Bon, là, je suis en train de m'approcher un petit peu en pas chassé de sa maison. J'espère que toi ça va bien. Oui, oui, oui. J'ai réussi à world edit sa maison. Ah, je crois qu'il m'a vu. Bon, je suis pas sûr. Donc ça veut dire que je peux slash slash cut. J'attends un message. Hein. S'il y a pas de message, je undo pas. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé?
me suis fait saboter. Je le sais très bien, je le vois. Ah, il y a un message, je peux undo. Bah, il y a eu deux nouveautés. Viens sur le toit. Oh, j'arrive. On a le truc pour l'hélico. Oh. Bon, c'est pas trop centré, mais c'est pas grave. Et la deuxième nouveauté, regarde, j'ai rajouté une petite toilette derrière. Comme ça, les gens, ils pourront voir le film tout en allant aux toilettes, parce qu'on a tout ce problème de quand on a envie de aller pisser pendant qu'on regarde un film. Oui, bah, il manque quelque chose, du coup. Il manque des feuilles pour s'essuyer. Ah ouais, non, mais c'est pas ce genre de feuilles, normalement. Non, mais Lionel... Mais toi, t'as pas fait Koh-Lanta, toi, hein. Ils vont pas tarder à me regarder, ça se voit. Je les connais, ces petits chenapans, là. Mon build, il est tellement mieux que le leur, j'en suis sûr. Bon, Lionel, là, c'est cool, mais on n'a pas les essentiels. Où est le frigo? Où est le mur? Où est... Non, y a rien. Bah dans ma poche. Regarde là, il y a un frigidaire. Ah bah ouais. C'est quoi, moi je prends des fours à l'ancienne, moi. Mais par contre, t'en penses quoi que ça soit du bois derrière? Tu penses pas que c'est nous qu'allons mettre le feu à la maison? Dans tous les cas, moi je pense que le vrai méchant loup de l'histoire, c'est plus Mybios. Hein. Bon, il manque quoi à faire à la maison là? Parce que là, je pense qu'on tient qu'à... Oh, l'hélicoptère! C'est pas sérieux ce qu'on est en train de faire là. C'est en plus c'est un truc le plus important, quoi. C'est la base de notre maison. Comment on a pu l'oublier? Je vais le faire un peu voler, hein. Mon hélicoptère, il va voler. Et toi, je sais que t'aimes bien quand c'est design. Bah moi, j'aime bien quand c'est design et catastrophique à la fois. Tout droit importé de Hong Kong. Carrément. J'ai fini! Oh, magnifique! Oh là! On dirait un pédalo. Honnêtement, je peux pas dire ce qu'il soit vraiment bien. Moi, j'ai une petite idée. En fait, c'est juste un gros mensonge le fait qu'on a une piscine. Oh, c'est un piège! C'est un piège à noob! Ce qu'on va faire, c'est que ça va nous mener directement à la maison de Mybios, le builder pro. Oh, pas mal! Oh mince! Je crois qu'il a un petit peu vu ce qui s'est passé, mais bon, il a peur d'avoir réagi. Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces gobelins, là? Ils me cherchent les noises? Il se passe vraiment des trucs pas nets sous ma baraque, hein. Oh, c'est un écolo! Il a mis des panneaux solaires! Il faut qu'on fasse pareil que lui. Attends, je lui vole ses panneaux solaires. Hop là, on les prend. Je vais les mettre dans notre maison pour ajouter le côté cool et côté écologie. Voilà, on les mettra ici. Voilà. Mais il s'en passe des choses dehors là. Qu'est-ce qui manigance cela? Photo de bulldog. Bah ouais, c'est un bulldog. Ouais, j'avoue. Je vais mettre le prix en hauteur. T'en penses quoi du prix? Ah non, mais là t'as mis dans des monnaies peu françaises là. Et bah vous savez quoi les mecs? Moi et Aspaz, nous allons faire des petites modifications dans notre coin. Regardez-moi ce builder, ce qu'il est en train de faire. Et après, on va aller voir le builder pro. Tu penses qu'on va gagner ou pas? On va gagner. Et ouais les mecs. Bon Aspaz, t'en penses quoi si on va voir le builder pro? Bah ouais là je pense qu'il a fini là, c'est bon. Bah là... Mais il est coup de porte. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, je regardais juste, je m'ennuyais, j'ai fait tomber un stylo par terre. Oh le menteur, y'a rien par terre. Tu veux pas écrire? Je l'ai dans ma poche. Pas mal. Bon, on présente notre magnifique maison en premier ou pas? C'est vous qui choisissez, moi. Allez, maison, tu viens ici mon gars. Allez viens. J'arrive. On referme tout. Alors. Pas de copieur. Le designer c'est Aspaz, donc il va te présenter vite fait pourquoi on a fait ça. Alors pourquoi on a fait ça? Bah là on a une piscine, on l'a fait pour t'observer, parce que bon, il y a un endroit qui mène directement à chez toi. Et mais... bon, je pense qu'on a eu quand même raison, parce que bon, monsieur est couteau porte, hein. Regarde-moi ça. Oh bah magnifique ta maison, Mybios. Oh non! On a perdu Aspaz. T'es un criminel. Non, il est tombé tout seul. Vu que t'as... Bah, mais tu crois quoi? Bon, on va voir notre maison parce que celle-là, elle me paraît un peu moins belle. Je vous vois mes 10 ans, mais. Mybios, on te l'a pas dit, mais nous, c'est la maison des trois petits cochons. Ah. Tu connais l'histoire des trois petits cochons? Ouais. Le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle. Boum! Ah oui, ça brûle. Non, la maison elle brûle. J'ai même pas vu l'intérieur. Non, mais regarde, pendant que ça brûle, on peut visiter la maison. Tu vas trop dans là. Évident. Okay. Allez, on se dépêche. Sinon, j'ai pas envie d'appeler les pompiers. Hein. Là, je te présente la galerie d'art. Vous vendez des peintures chez vous? Un bulldog, un musical, un écologie des verts. Je te fais un petit pot. Tu peux mettre tes pièces. Oh, allez, mets tes pièces. Chance. Allez. Vas-y, voilà. C'est bon, excusez-moi. Ok, lui là, toi, tiens. Hop là, tu peux le prendre. Merci. De rien. Regarde, ici, il y a tout en triple parce que les trois petits cochons. Hop là. Oui, c'est pour manger. Allez, viens en hauteur. Là, ah, là c'est résistant. Brûle. 3 bathrooms. Voilà, boum, des lits, boum. Là, il y a des toilettes, boum. Voilà, Lully. Est-ce qu'il cousine, regarde. Regardez, on peut tester ensemble. Là, vas-y. Mybio, je te pose une question. Comment tu t'essuies? Des serviettes. Non, avec tu prends les feuilles en bas. Non, regarde, tu prends les feuilles et boum. Ah, bah oui, il y a des buissons, j'étais si bête. Mais oui, il y a même un arbre pour l'écologie. Ah, vous faites pousser votre papier toilette chez vous? Évidemment. Oui. Bonne idée, c'est ça. Original. Et maintenant, on monte en hauteur et là, le gaming. Là, c'est Just Dance. Là, c'est le setup gaming. Triple écran. Oui, parce qu'il y a trois petits cochons. Et regarde en hauteur. Il y a toujours le côté écologique avec les panneaux solaires. Ça, c'est mon idée, les panneaux solaires. C'est un drone. Pas mal, c'est un hélicoptère. Ah, je sais, c'est les satellites Starlink, c'est ça? Et non, c'est un hélicoptère. Non, mais va pas trop loin non plus. Hein. Et regarde, il est résistant, t'es prêt? T'as vu? Il est encore là. Ah, je sais pas si c'est la bonne définition de résistant. Si, parce que maintenant c'est un radeau. Ah, pas mal. Donc ça veut dire que si l'avion se crache, il se transforme en radeau. Je pense que t'as tort sur toute la ligne. Je vais vous montrer c'est quoi du vrai build de pro. Bah vas-y. Bon, tu me présentes ta maison? Allez, ramenez-vous chez moi là. Vous allez voir c'est quoi du vrai talent. Oh, c'est moche. Cassez-vous. C'est quoi le côté convivial là? Ah, oh, ça donne pas envie de rester. Oh, hein. Oui, hein. Oh là, par contre c'est beau. Bien hein. Mes 10 ans. Oh là, il emploie des grands mots pour qu'on comprenne rien. Bah je sais que c'est okay. Beau, c'est moi qui l'ai fait. Bah je vais voir si elle est autant résistante que la nôtre. Non, okay, pas tout de suite. Attends au moins qu'on ait fini la visite. Oh. Oh oui. Attends, mais il nous a fumé. Oh,
Qu'est-ce qu'il fait la Frigiel? Vous en pensez quoi? Non. Tu vends combien? Ça se vend pas, désolé, c'est un NFT en fait. Oh mais c'est vraiment beau. T'es vraiment vous fort. En pensez quoi? Ouais, je sais, bah c'est moi qui l'ai faite. C'est bien en vrai. Bon, j'ai pensé à vous, j'ai mis des toilettes à côté de l'ordi vu que. Oh. Les chaises gamer. Ouais, bah voilà, j'ai pensé. Je me suis dit, à ce passe. Oh, ça serait trop drôle. Mais en plus, il est drôle ce builder pro, non mais. On a bien fait de le rencontrer, hein. Mais c'est stylé, regarde-moi ça, il y a carrément du détail. Bon, par contre, c'est pour nous copier et faire de l'écologie non, pareil que nous. Non. T'en penses quoi, à ce passe? Oh, mais aucune originalité. Bah, c'est honteux. Non, mais vous en faites pas, il y a une mine de charbon pour. Pas mal. Pour équilibrer. Bon, en vrai de vrai, tu mets combien à notre maison? Non, c'est bien. Je pense qu'honnêtement, vous avez toutes vos chances. Oui. Le build est vraiment beau. Il y a eu un très gros talent et une belle ouverture d'esprit lors de la construction. Du coup, je pense que je peux vous mettre 2 étoiles. 1,5. Une étoile. Moi, j'étais un peu plus gentil. Bah voilà, on a gagné. Bah, vous savez quoi, les mecs? Dites en commentaire, mais les gens, qui a gagné? Il a pété un plomb, lui.